Un petit peu peur d'en découdre, en première étape de montagne, on ne sait pas trop où on en est. Donc on est un peu inquiet, mais on est aussi là pour ça. Donc on est pressé d'être fixé sur l'état de forme de chacun. Moi, je pense que sur le pied de l'ascension, je vais d'abord me jauger. Et ensuite, en fonction des sensations, pourquoi pas être un peu plus acteur. Ouais, déjà une bataille en tout cas. Ouais. C'est sûr que les leaders vont vouloir voir où chacun en est. Et s'il y a des ouvertures, tout le monde saura saisir sa chance. Difficile, hein, difficile. On s'attendait à une belle performance de nos coureurs et malheureusement aujourd'hui on a sombré comme beaucoup de coureurs, comme beaucoup de leaders même, hein, des grands leaders, ceux qui ont gagné le Tour l'année dernière, Nibali, Contador. Voilà, nous on a fait partie aussi des coureurs qui ont sombré, notamment nos trois coureurs qui jouaient le général. Ce soir c'est compliqué pour le classement général. Maintenant les coureurs se sont battus, ils ont été valeureux jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Voilà, donc c'est sûr qu'il faudra redéfinir les objectifs. Le classement général paraît très compliqué. Je pense qu'on peut toujours placer un coureur dans les 10 premiers, ça c'est possible, donc on va essayer de se battre pour ça quand même. Et puis il faudra aller chercher des victoires d'étape parce que les objectifs sont à redéfinir complètement.